depuis 2 années maintenant, il y a un travail qui est très très riche entre le service éducation enfance sport et l'équipe du théâtre de l'hôtel de ville, ce qui permet de programmer des activités périscolaires. C'est le cas avec le groupe Zunzamac qui est en résidence actuellement avec le THV. C'est un quatuor de musique de lutherie sauvage. La fabrication d'instruments à partir de matériaux de récupération ou alors de matériaux non nobles. Ça va être tous les matériaux qu'on utilise en construction, dans le bâtiment, des matériaux qui sont très accessibles par tout le monde. Pour ma part, je me suis occupé de tous les instruments avant, donc les instruments de la famille des flûtes, comme celle-là. On a écouté des musiques. On a joué des instruments et tout et tout. Bah, il y avait des coquillages, des poubelles, des tuyaux. Il y avait aussi des cuves pour faire la batterie. Ce que j'ai aimé, c'était la batterie, des guitares, un rumba tube et... Oh, j'ai tout aimé. Alors aujourd'hui, les enfants qui ont participé à cet atelier de rencontre avec les musiciens ont été dans un premier temps très spectateurs et très attentifs. Et dans un second temps, les musiciens les ont invités à essayer, à observer de plus près les instruments. Et ça a été l'occasion d'échanges aussi très intéressants entre enfants et musiciens. Les enfants trouvent ça assez naturel quand même finalement. Ils sont moins étonnés que les adultes. Eux-mêmes expérimentent, en fait, tapent sur des bidons, ont gardé ça en eux. C'est assez fantaisiste comme démarche. Et les enfants aiment bien ça en fait, rentrent bien dans cette approche un peu ludique de la musique.